La pétition demandant la tenue d'un second vote sur le Brexit a largement dépassé le seuil des 100 000 signatures prévues par la loi pour que les députés britanniques se saisissent de la question. Ce dimanche matin, elle avait été signée par plus de 2,5 millions de personnes. Ce samedi, des Londoniens ont manifesté devant le palais de Westminster. Près de 60% d'entre eux s'étaient prononcés 3 jours plus tôt pour le maintien. Certains réclament, sans trop y croire, l'indépendance de la ville et son adhésion à l'Union. Le maire de la capitale réclame que Londres soit associé aux négociations de sortie. En Écosse, où le maintien l'a aussi largement emporté, le Premier ministre veut lancer des discussions immédiates avec Bruxelles en vue de protéger sa place dans l'UE. Le gouvernement écossais se penche déjà sur l'autre option, la tenue d'un second référendum sur l'indépendance de l'Écosse.